Club, Nazim Mohamed, Team Gérante. Comme un falacha, violent comme sous rapta, premier arrachage. Toujours pas vendu, y'aura pas de rachat. Sur les épaules du game comme un maraja. Comme CR7, j'ai mes petits Morata. Regarde noir, le cœur blanc comme une burrata. Le temps remet les rois sur leur trône au calme. Les clowns regagnent leur cirque de Zavata. T'es une bombe basse, pas les couilles, je une première dame. J'ai dû couper des ponts longs comme Manhattan. Gère l'étal, où t'en perds ta santé mentale. Végétal, j'en fais pousser comme végétal. Végétal, mais en panne, du bruit pour Nadine Corbett. Sans gitane, toute l'année sans schlag, moi check lag. J'traverse océan comme j'traverse une flaque. Charbonneur sur mes jambes. La team Gérante, pour ceux qui connaissent, très très grosse team. Avec de nombreux boxeurs, un très très gros niveau. Pour moi, c'est des amis et un honneur de les recevoir. Une très très bonne école avec des boxeurs très très bien formés. En face, il nous vient du Sorcy de Congnoy de Jonzac. Il est là pour aller chercher une place en finale. Dans le coin rouge, je vous demande d'accueillir notre franco-thaï, Patrick Classe. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais miraculé. Parle en français, parle en cash, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que je parle dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. M'attends toujours d'être comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond d'un car VIP. Ce bâtard sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux têche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recueille-toi et laisse-moi en faire quand les autres. Plâtre, Jonza. Et même toi t'es du père, toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros y'a pas. Il fait partie des jeunes que dont on est revenu il y a à peine 3 semaines de ça de Thaïlande, que j'ai emmené s'entraîner dans des camps pour s'affûter pour cette soirée. Espérons ce soir que ce soit payant. Ils peuvent démarrer pour leur week-end. On peut remettre le ramway. Donc, Nazim continue. Ensuite, après le Wekrou, le ramway, s'il vous plaît, en régie. Donc, c'est la danse traditionnelle qui continue, en fait, l'échauffement et donne l'identité du club, d'où vient le Macmoy. Cette pratique a une très grande importance car, comme je vous l'ai dit, c'est un art martial, donc il y a toute une culture, des us et coutumes à respecter. Et qu'à leur âge, des fois, c'est jamais... C'est un petit peu oppressant, un petit peu stressant de le réaliser devant autant de personnes. Allez. Ah, Hugo, encore une petite pépite. Du coup, enfant. Allez, vas-y, fais le tour. Lève, 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 lève.
Hugo. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des rookies, ils ont tous les deux un combat, donc ce sont des débutants, ils sont là pour prendre de l'expérience et s'affûter. Désolé, ce petit moment de suspense, parce qu'en fait, le MonkCon, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui représente la transmission du savoir entre l'élève et le maître, ne peut normalement être touché que par le maître, et comme c'est moi, faut que je cours. Báilame como
como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumbo. Troisième et dernier round, c'est une place en finale du tournoi qui se joue. Faites du bruit, Josac, faites du bruit, encouragez-les!
Alors, pour les aficionados, vous connaissez la sanction. Pour les autres, c'est ce qu'on appelle une victoire par TKO. C'est une frappe qui met pas son adversaire une perte de conscience, mais qui l'empêche de repartir. Donc ça peut être des frappes multipliées dans les jambes, des frappes multipliées dans le corps, qui fait qu'on a des douleurs. On n'a pas perdu connaissance, mais on ne peut pas reprendre le combat. Et donc c'est une belle victoire par TKO de Nazim Mohamed, coin bleu. Nous connaissons dorénavant notre premier finaliste. Félicitations.